Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la 11e étape donc de la série de 20 vidéos sur comment faire pour accueillir son client de la meilleure des façons. Et je pense que eh bien, vous avez pu comprendre que eh bien, pour construire de la confiance, pour être sur la même longueur d'onde, pour commencer à communiquer avec son client, vous devez faire du service. Quelque chose de plus élevé que de vendre. C'est-à-dire que vous devez pas, vous devez vendre évidemment, mais vous devez pas, eh bien, quand vous souhaitez construire de la confiance, vous devez ben, aider et comprendre le client. Vous ne devez pas vendre d'abord, vous devez comprendre. Donc ça veut dire rendre service. Et donc si vous arrivez à donc, construire cette confiance en comprenant ce que le client veut, répondant à ses questions, en lui proposant des alternatives, et que vous arrivez ensuite, eh bien, dépasser les attentes de vos clients, donc ça peut être dans votre service, mais également avant la vente, parce que avant la vente, il y a quoi? Il y a l'attitude, il y a la manière de vous poser des questions, la manière de vous répondre, votre posture, vos habits, etc. Parce que ça, c'est du service également, ça montre votre professionnalisme. Donc, si vous arrivez à dépasser votre service, donc par rapport à la vente, vous allez faire la vente. Ça commence par l'accueil. L'accueil doit tout simplement présenter maximum de services pour que par la suite vous puissiez encore une fois apporter plus de services et par la suite conclure cette vente.